Bonjour. Bienvenue au débat de la 5. Merci de votre fidélité. Avant de commencer cette émission, je vais vous donner le résultat du sondage d'hier. À la question « Quel temps fera-t-il demain ?», vous avez répondu oui à 46%, non 52% et sans opinion 2%. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous accueillons comme tous les jours, chaque jour, deux personnalités pour débattre d'un sujet. Le débat d'aujourd'hui portera sur la politique. La politique, comment, pourquoi et quand ? Le sujet est très intéressant. J'ai donc à ma droite le député socialiste M. Philippe Ducresson de La Chardière et à ma gauche M. Rachid Larbi, député Front National. Bonjour les téléspectateurs. Bonjour messieurs. Le sort a donc désigné M. Philippe Ducresson pour commencer le débat. Je prends donc le sablier. Voilà, c'est à vous. Merci M. Jean-Claude Bourré. Merci surtout de m'avoir invité à votre émission que je suis toujours avec intérêt, un intérêt sans cesse croissant. J'aimerais, avant de commencer, définir la politique de notre gouvernement. Et j'aimerais pour cela la subdiviser brièvement, bien sûr, en 26 points très différents. Le premier point, à l'intérieur duquel j'aimerais faire une petite parenthèse. Le temps qui vous est imparti maintenant terminé, je donne la parole à M. Rachid Larbi. Je reviens à vous dans quelques instants. D'accord. Merci M. Bourré. Enfin, votre nom, Jean-Claude Bourré. Jean-Claude Bourré. Sûr. Je suis ravi de faire partie de votre émission que je regarde le plus souvent qu'elle m'est donnée d'être possible le plus souvent. Alors, je suis du Front National et je tenais à porter le sujet sur l'immigration. Il y a un problème d'immigration. Regardez dans le 13e arrondissement à Paris tous les Chinois qu'il y a. Regardez tous les Juifs. Regardez tous les Noirs. Et comme le dit très justement notre président de Front National, M. Jean-Marie Lipoune... Pardon. Jean-Marie Le Pen. Lâchez fourché, ça arrive à tout le monde. Je vous en prie. Soyons sérieux. Comme disait notre président, M. Jean-Marie Lipoune... Le Pen. C'est Jean-Marie Le Pen. Le Pen. Jimora Lapoune. Excusez-moi, le temps. C'est autour de monsieur... Je vous en prie. C'est autour de monsieur Philippe Ducresson, je vous en prie. Oui, c'est amusant quand on n'est pas capable de prononcer non, excusez-moi, le nom. Je vous en prie, messieurs. Je n'ai pas été agressif avec vous. Je vous en prie. Je le dis sans agressivité. Je n'ai pas été agressif. Soyons calmes, on se calme. Je le dis très amicalement. Ça arrive à tout le monde. Je vous donne la parole avant le débat. Je vous donne la parole. Calmez-vous, monsieur Rachid Larbib. C'est à vous, monsieur. Incapable d'articuler, on peut s'abstenir oui, de faire de la politique. Non, mais je revenons dis... au sujet, je vous en prie. Amicalement. Cernons le sujet. La politique. J'aimerais tout d'abord éclaircir un point, d'un point de vue général, au sujet des fausses factures. On a dit beaucoup parlons de ça. Choses. Oui, mais parlons-en justement. Puisque notre président, monsieur François Mitterrand, a dit récemment. Pardon. C'est François Mitterrand, pardon. C'est ce que je viens de dire. Monsieur non, François avez... Mitterrand. Non, Mitterrand. François Mitterrand, excusez-moi, le temps qui vous... C'est à vous, monsieur Rachid Larbi. Vous vouliez parler sans doute de monsieur François Mitterrand. Alors, je ne serai pas agressif. Je tenais à parler de l'immigration et je vais essayer d'élever le débat au-dessus des pocrates et des coquelicots en parlant de la politique de monsieur Jean-Marie Lipoune. Le Pen. Jean-Marie Le Pen. Attends, je vais y arriver, je te dis. Je vous en prie, je vous en prie. La politique de Jean-Marie Lapelouse. Non, Le Pen, excusez-moi. C'est au tour de monsieur Ducresson. Jean-Marie Lapelouse. S'il vous plaît, un peu, calmez-vous, monsieur. François Mitterrand. Alors, au sujet, donc, de notre président de la République, qui, comme vous le savez, a succédé... Vous voulez parler de... De François Mitterrand. Non, François Mitterrand. Attendez, attendez François Mitterrand. 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 Voilà. François. François. François Mitterrand. François Mitterrand. Non, je vous en prie. Bon, écoutez, c'est au tour de M. Rachid, vous en prie. La politique de M. Jean-Marie. Et la suivante. Je vous en prie, non. Je vous en prie. Soyons sérieux. Non. Soyons sérieux. S'il vous plaît, messieurs, dames, s'il vous plaît. Non, on a le droit. C'est un débat sérieux. Non, la politique du président du Front National. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne connaissent pas, je suis désolé. Bah, tout le monde sait que c'est quand même, non. Dites-le, je vous en prie. Bah, j'en ai marre de la poune. Non, Jean-Marie. Simora Lapoine. Oui, d'accord, excusez-moi. Chimara. C'est à vous, monsieur. Si. C'est au tour de monsieur Philippe Ducresson. Comme nous le savons tous, notre président de la République, monsieur François Mitterrand, a dit. Non, écoutez, je vous en prie, monsieur. Allez, c'est Rachid, je vous en prie.